comme par exemple dans les soldats de Brésil, la main droite est en, disons, Ré majeur. Le 7, on dirait, mais la main droite, la main gauche, est, c'est un son majeur. Ce qui a été pour moi le coup de foudre, et ce qui a pour moi déterminé une grande orientation de ma vie, ça a été ma rencontre avec Paul Claudel. Il m'a dit, vous êtes l'homme qu'il me faut pour l'Orestie, mais tout de suite. Peut-être qu'il a senti qu'il y avait en moi une force qui coïncidait avec la sienne. Les pas d'une troisième tempête, venez le massacre des enfants et la mère douleur de Thiès. La première chose que je retiens du séjour de Millau au Brésil, c'est l'énorme créativité de cette période dans son œuvre. Il avait un swing de la musique populaire brésilienne qu'il ne parvenait pas à capter. Alors, il raconte dans ses mémoires qu'il achète une quantité énorme de tangos, machiches, sambas, cateletes, et qu'il s'exerce à cela jusqu'à comprendre le rythme, capter le rythme. C'était mon premier contact avec le grand public. Ma famille était venue d'Aix. L'émeute ne tarda pas à éclater. Quand on en arriva à la deuxième partie dans laquelle se trouve une fugue pour cuivre, ce fut bien pire et le public en vint aux mains. Millau assistait au scandale debout dans sa loge. J'ai quitté la loge de mes parents et je me suis mise à côté de lui. Une fois, je suis allé au concert en ambulance et avec deux béquilles, me débrouiller, mais je voulais pas arrêter ma vie.